Je m'appelle Gérard Ruet, je suis natif de Nyon et puis je me suis intéressé assez tôt au cinéma et je suis devenu producteur de films dans les années 80. J'ai créé ma société de production en 84 avec un collègue et j'ai été producteur pendant plus de 30 ans. J'ai eu la chance de rencontrer des cinéastes internationaux comme Krzysztof Kieślowski, j'ai travaillé avec Alain Tanner, j'ai travaillé avec Olivia Sayas, avec Claude Chabrol, avec des cinéastes suisses évidemment, Francis Resserre, des jeunes cinéastes plus récemment, Germinal Roux, enfin une longue carrière de cinéaste et puis depuis 3 ans, j'ai cessé mes activités de producteur et je suis maintenant secrétaire général de la Fondation Romande pour le cinéma, qui est un fonds de soutien à l'audiovisuel en Suisse romande. Voilà pour ce qui est de moi-même. Bon, la production cinématographique, c'est un domaine qui demande pas mal de moyens financiers. Donc, pour monter un projet de film, le producteur doit aller chercher des partenaires. Et il y a des aides, évidemment, financières ici en Suisse, de la part de l'Office fédéral de la culture, de la part de la télévision suisse, et puis les fonds régionaux. Cinéforum est le fonds roman qui réunit l'argent de l'ensemble des cantons romands, et ça, c'était important d'arriver à mutualiser tous ces moyens pour avoir un volume financier suffisant pour soutenir de manière pertinente les projets. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les producteurs s'inscrivent dans un mouvement plus général, plus européen, donc avoir des partenaires à l'étranger, notamment en francophonie, avec la France, la Belgique, le Luxembourg, voire le Canada. Et c'est dans ce contexte-là que les productions peuvent se monter. Parce qu'à l'échelle, à partir d'un certain volume de tournage de films, je pense surtout en fiction, l'échelle suisse uniquement n'est pas suffisante. Mais au-delà de ça, les films sont aussi faits pour circuler à l'étranger, pour être vus par le plus grand nombre de personnes. Et notre objectif en tant que créateur en Suisse, c'est de faire entendre notre petite voix sur l'état du monde et sur... avec notre propre sensibilité et donc de porter ça vers l'extérieur. Et du coup, d'avoir des partenaires étrangers, un coproducteur belge, un coproducteur français, permet d'élargir notre marché et donc que les films soient vus de manière plus globale, si on peut s'exprimer comme ça, à travers le monde. Voilà, c'est ça les objectifs qu'on peut avoir.